un petit No Woman No Cry qui illustre à merveille donc le match qui va se passer à ceci près que je ne suis pas une femme. Mais donc, je vais donc affronter Monsieur Dimas. Monsieur Dimas est actuellement invaincu en GA. Personne n'a réussi à tomber ses défenses. Et je ne réussirai probablement pas, étant donné que regardez un petit peu. Regardez-moi ça. Donc, là, un Grievous avec un Watt Tambor. Qui a un Watt Tambor. Bah, ses modules sont pas up, mais 312 de vitesse. Donc, il va apporter du revive et l'équipe qui va carrément me pourrir la vie. En dessous, un gaz, donc avec plein de reliques. Et de l'autre côté, un gros DR R7 avec Malak R7, avec des Sœurs de la Nuit, bien stuff. Waouh! 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 En gros, sa strat, c'est qu'il change jamais de défense et que personne n'ait réussi à passer ses défenses. Donc lui, même s'il ne réussit pas ses attaques, il fera pas des scores optimales, mais il gagnera quand même ses matchs. Et donc, il est invaincu. Donc, si je regarde l'historique de CGA, personne n'a réussi à venir à bout de toutes ses défenses. Donc, voilà, je vais probablement perdre ce match. C'est triste. Mais on va quand même le faire. Donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis mes meilleurs méta en défense. J'ai mis des teams entre deux. Entre deux, j'espérais qu'ils ne réussissent pas à passer toutes mes défenses. Bon, là, heureusement, il fait un fail. Ouf, alléluia, il fait un fail ici. Donc ici, ben, aucun fail. Petite originalité, donc j'ai vu qu'il gardait tout le temps ses Géo en attaque. Du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter le coup de la trahie en défense. Et au final, il a réussi à passer la trahie aussi. Pff, quelle déchéance. Donc j'ai vraiment mis pas mal d'équipes qui sont sympas en défense. Si je ne fais pas un one shot sur toutes ces méta, je suis archi mort. Sachant qu'il a fait un score de 1876 et que quand on affronte une méta, ben forcément on ne peut pas maxer son score, on ne peut pas faire du 60 points. Donc on part déjà avec un désavantage. C'est ça qui est vraiment fourbe dans sa strat. Et vraiment, donc a priori ce que je vais faire, donc gaz contre gaz, je vais envoyer Padmé contre Grievous. Et là, c'est vraiment là où j'ai un gros doute concernant ce combat, concernant ce qui va se passer. Je ne sais pas si je peux gagner ce match. Il est bien modé, il a vraiment de bons niveaux de reliques. Et en dessous, donc je vais faire un Revan contre ces Sœurs de la Nuit. Et je ferai donc un DR Mirror. Voilà, c'est mon plan d'attaque. Après, je ne sais pas quelles sont ces équipes derrière, étant donné qu'on peut rarement les voir donc sur le Gacky Story que nous propose le site Swag. Voilà, vous savez tout. Donc. Alors, à savoir que Revan contre. Enfin, la technique avec Bastila lead contre une équipe à Watt Tambor, ça ne fonctionne pas. J'ai vu des grands youtubeurs comme Clesso échouer avec. Donc, des gens qui sont largement meilleurs que moi. Donc, je me souviens que Just Yan aussi était tombé sur une défense assez similaire et il a perdu. Il était top 7 en GA, donc sur cette saison, il a perdu aussi. À cause de ça, donc ça me fait vraiment un petit peu flipper. Mais bon, du coup, allons-y gaiement. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le plus dur. Je vais commencer donc par ce match-là. Alors au début, j'hésitais beaucoup pour ce match-là à mettre la petite Ahsoka ou mettre donc Shakti. Je vais décider de mettre tout de même. La petite Ahsoka, étant donné que ma Shakti n'est pas encore G13, mais du coup je me suis décidé, c'est mon prochain G13. Voilà, donc ça, vous savez tout également. Suis bien en train de filmer, ouais, je suis bien en train de filmer. Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? Donc oui, on est sur Grievous, on part sur Padmé. Padmé, Padmé, Padmé. Que de pression, que de pression. Là, ce qui est cool, c'est que je peux le focus direct. Je vais attaquer qu'en basique, j'ai pas envie d'avoir un dispel.
Là, j'ai un gros hit qui arrive. Là, peut-être que juste avec son basique, je pourrais le tuer. Je vais quand même faire une spéciale pour... Là, je vais me faire un up de protection. Et le dispel de la mort. Donc là, ça sert un peu à rien d'utiliser son spécial. Étant donné que j'en ai deux qui pourront pas avoir de up de protection. Mais bon, je vais quand même y aller. Ça diminue un petit peu les stocks de B1. Donc là, parfait. On va retourner s'attaquer là-bas. Petit dispel. Ah, c'est costaud, c'est du R5. Du coup, maintenant, il faut à tout prix que je tue Watt. Watt Tambor. Sinon, il va me faire un revive. Donc là, c'est que je n'ai pas... Je vais faire ça, comme ça. Allez, parfait, il est tombé. Donc on peut considérer que le plus dur est achevé. Je vais diminuer les stacks ici. J'ai un gros hit à 10, mais je vais quand même diminuer les stacks. Ici, on va assurer le combat petit à petit. Donc, sur qui? Là, je vais me prendre un gros hit, mais je crains pas son hit. J'ai pas mal de protection sur tout le monde. C'est parfait. Mince, là, j'aurais peut-être pas dû. Gros hit en perspective. Donc là, là, on peut le tomber. J'ai de la protection un peu de partout. Donc parfait, je vais pouvoir le terminer tranquille. Et. Allez, c'est parti. Ouf! Ouf! 56 points! Oh, j'en reviens pas. Donc, non, au final, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de vidéos disponibles sur YouTube sur ce combat, donc c'est un peu chaud. Donc là, on va partir avec du gaz contre gaz. Donc, alors. Petite info, c'est vrai que j'en ai parlé vite fait sur ma dernière vidéo, mais bon, si jamais vous l'avez pas regardé. Apparemment, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais si vous ne mettez pas 5, donc 5, à la dernière position de l'équipe, il se peut que sa capacité de revive ne fonctionne pas. Donc c'est un bug de l'équipe, c'est un bug du jeu. Donc veillez à ce qu'il soit sur la cinquième position de l'équipe. Vous savez tout. Donc là, j'ai l'avantage de jauge de tour, c'est plutôt pas mal. Ah, j'aurais dû faire l'inverse. Donc là, étant donné que j'ai comment dire, que j'ai réussi à mettre la confusion sur plusieurs de leurs persos, je pourrais faire l'attaque. Voilà, cette attaque-là. Sinon, je le déconseille vivement, étant donné que Faille va augmenter la jauge de tour de tout le monde. Donc on est couché. En même temps, là, l'objectif, c'est de s'occuper de Five en second. Et est-ce que j'ai intérêt à faire sa super capacité? Donc, bon, ouais, il y aura une toile qui me le dispellera, je pense, avant que
j'aurais pas dû faire ça. Par contre, j'aurais dû invoquer Rex, comme ça la toile serait venue en assist. Parfait. Donc, oui, le but c'est que Fabe soit pas le premier à mourir de mon côté. Donc, est-ce que j'ai intérêt? Non, j'ai pas intérêt. Je vais pas le faire. Là, ils vont se relever en même temps. Qui va attaquer? Oh, c'est lui qui attaque en premier. Bougre d'andouille. Il devrait se coucher. Coucher. Est-ce qu'on peut réussir à le tomber? Là, il tombe. Attaque de masse. Et je prends un kill, c'est cool. Donc, tuer Rex. Ouais, tuer Rex en premier. Et donc là, c'en est fini. Ouf. 52 points, donc c'est vraiment pas un score qui est optimisé. Mais bon, après c'est un match gagné. Un match gagné, c'est un match gagné. Donc voyons voir derrière. Donc une yacht. Ouais. Ah, il a G13 en yacht, ça c'est très intelligent. Il y a une équipe qui fait moins peur, donc en dessous. Donc, DR contre DR. Il a plus de niveau de relique. Alors, ce qui va se passer, c'est que, attention, regardez un peu ça. Bah, bam, Bastilachan à 322. Donc, il me tue en vitesse sur Bastilachan. Mais j'ai l'avantage sur DR. Donc, à DR, il est à 332 quand même, ce qui est très respectable. Mais je suis à 344 quand même, fin de mémoire. 344, je vais vérifier. Parce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe. On va... Faut vraiment pas se fail. Donc, tac, tac, tac. Je suis juste relique 3 moi, et lui il est R7 par contre sur. Mais j'ai l'avantage de vitesse, et je dirais que c'est le plus important vraiment dans cette équipe, c'est la vitesse. Donc là, étant donné que j'attaque en second, je vais utiliser ça en premier. Là, je vais garder son super kill. Je préfère l'utiliser après. Fou, 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 fou. Ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. Oh, il me prend Bastille là. Ça, c'est. Oh, aïe, 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 aïe. Ça, c'est plutôt affreux. Là, j'ai un hit à plus 15. Je peux peut-être prendre son Malak. Ah non, ça ne tombe pas. Et là. Non, non, non. Allez, ça tombe. Ça va être un combat tendu. Aïe, 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 aïe. Quelle tristesse. J'aurais pas du tout dû me focaliser sur son Malak. Enfin, bon, il y avait quand même une chance qu'il tombe. Mais cette chance n'est pas arrivée, donc oh, tant pis. Je vais peut-être m'attaquer au sort en premier, voir comment ça se passe. Et après, je ferai un combat.
Donc là, les sœurs. C'est triste, c'est bien triste. Du coup, je vais devoir utiliser une équipe pour contrer ça et. En plus, le dernier à avoir joué, c'est lui. Ce qui m'arrange pas du tout. Ah, il a pris un hit de la mort qui tue. Oh, c'est tellement dommage. Il va falloir. Non, non, pardon. Il va falloir cravacher jusqu'au bout pour réussir à avoir ce match. Donc on part sur des Jedi. Vu le niveau de sa team, je vais faire une seule team Jedi, je pense. J'aime bien d'habitude conserver ma Bastilla pour faire une deuxième équipe, mais là c'est tellement hot là ce qu'il propose. Le niveau de son équipe est tellement fort que ce serait. Ou sinon, je prends le vieux Ben dans l'équipe. Vieux Ben, je pense que je vais lui mettre ses deux états. Donc plus le temps passe, plus j'aime ce personnage. Donc surtout que s'il fait partie de la méta qui peut contrer Gas. A raison d'avoir un bon Anne et un bon Chobi plein de reliques. Et c'est dommage vu qu'après je me. Si je fais ça, je me prive d'une équipe offensive. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Empereur. Il me reste Rey. Soldat de l'Empire. La Luke. Rey, Empire, Soldat de l'Empire. Ouais, je vais sacrifier ma Bastilla. Est-ce que j'ai bien sélectionné le bon combat? Donc on y retourne. Jedi. Jedi. Tac, 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 tac. Donc au début, je vais décider de me focus sur la petite Assage, étant donné qu'elle a un maxi DPS. Là, je vais mettre le bonus de protection, étant donné que donc c'est la mémère qui joue juste après, donc c'est parfait. Oh, il a réussi à me prendre un. Donc on va prendre un deuxième hit. Ça c'est dommage. Donc maintenant, j'ai pris deux hits. Le but, ça va être tuer la Daka. La Instant. Faut se méfier du DPS. Vu qu'elle est stun, je vais m'attaquer là-bas. Je peux peut-être prendre un. Non, je ne prendrai pas un hit. Donc maintenant, on va retourner achever la mégère. On va s'attaquer là-bas. Et donc maintenant, je vais me centrer sur le. Enfin, je vais peut-être un petit peu le. Je vais me centrer sur le zombie pour regagner donc de la protection là où il m'en manque. Donc il doit en manquer que sur Jolie a priori je pense.
Donc c'est pour ça que je vais faire, même faire le choix d'invoquer Jolie. On invoque Jolie. Jolie regagne sa protection. Donc là, je pense que tout le monde est full protection. Ça fait un combat à 60 points, c'est cool. Donc maintenant, il va quand même falloir terminer. Il va quand même falloir terminer cette équipe. Et j'aurais bien, comment dire, j'ai bien envie de conserver mon Luc. Du coup, si je conserve mon Luc, si je conserve mon Luc, je pourrais. Enfin, si je, là, c'est Anne clairement qui pourrait me permettre de stun cash la petite Bastille et donc de gagner ce match sans aucun doute. Mais si je fais ça, du coup, je l'ai plus pour le bas. Oh. Ça pourrait carrément servir. Luc, c'est une très bonne team pour contrer ça. C'est modé comment? En plus, c'est rapide. Ça, je pourrais y aller avec les soldats de l'Empire, je pense. Baze m'embêterait un petit peu dans cette caractéristique. Étant donné qu'il gagne du turn meter à chaque fois qu'un ennemi. À chaque fois qu'un ennemi. Donc, obtient une amélioration. Mais ça peut le faire. Qu'est-ce que j'ai sinon pour contrer sa mémère Bastila? Peut-être le lead de Tron peut être une bonne idée. Vraiment pas que j'utilise une grosse team. Je me rappelle plus du tout de l'état du turn meter de la petite Bastilla, à savoir s'il était engagé ou s'il n'était pas engagé. Luc, c'est vraiment la seule grosse team qui me reste qui puisse contrer ça sans aucun risque. Il y a dans 5 minutes. Il y a le droit de qui en plus. Aïe.
très bien modé. Et toi, comment tu es modé? Oh là là, il a fait un up en santé en plus, c'est finacho. Aucun up en vitesse. 40 000 de santé à passer. Il y aura l'aggro en début de tour sur L337. Ouais, j'aurais vraiment besoin de ma Luke pour contrer ça. Donc là, il faut pas tabler sur Luke. Il va falloir être original. Original, original. Du coup, j'avais pas. Non, j'ai pas passé mon PO aussi. J'hésitais à conserver mon PO au cas où Malak restera en vie. Là, ça manque de DPS. Si je fais ça, je tue ma team Empire. Oh, c'est cornélien, je suis désolé, du coup je prends du temps. Je prends du temps, mais parfois il faut laisser le temps au temps. Quelle heure il se fait? Ok. En plus de ça, donc si j'optimise pas mes bannières, je suis sûr de mourir comme un idiot. Donc là, il y a du DPS. Il me faudrait du contrôle, tac tac. Ah, mais est-ce que son lead marche quand même? Je crois qu'il peut pas y avoir de, il peut pas y avoir de réduction de jauge de tour sur une team. Donc sinon, tac. Donc lui. Affinité Ancienne République. Tac, tac. J'ai un dispel sur l'Ancienne République. Donc, il me faudrait un peu de contrôle en plus. Tour. Ça pourrait m'apporter du contrôle. Donc il y a un dispel dans l'équipe en face. Et non, ils peuvent pas avoir de réduction de jauge de tour. Ouais, mais ça up les alliés. Est-ce que j'ai assez de DPS là-dedans? J'ai un gros doute sur moi, le DPS de mon équipe. Voilà. Ça me permettrait de ne pas utiliser grand-chose. Mais le problème, c'est que
Mais voilà, pour tomber des personnages qui sont R4, il faut quand même un petit peu de DPS. Et là, j'en manque cruellement. Oups. Oh, mais j'ai cliqué sur attaquer. Donc là, le but, on va contrer ça. Et on va s'y attaquer fermement. Donc, le but, c'est qu'il joue avant qu'elle tombe. Et là, parfait, ses capacités sont bloquées. Donc, il ne pourra pas donc faire son super hit de la mort qui tue. J'ai qu'un seul personnage qui n'est pas full protection. C'est relativement un bon combat. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ok. Donc Daisy Walk et ça. Alors, ténacité. Pas de ténacité. Pas de vapeur ténacité. Donc, déjà, je vais aussi faire un petit calcul, savoir combien de points il faut que je fasse par combat. Donc, pour réussir à passer, excusez-moi, donc je perds encore un petit peu de temps. On perd un peu de temps, mais bon. Si jamais il y a une possibilité pour gagner ce match, ben ça va être chaud à 1816. Ça va être vraiment chaud, mais il faut tout tenter. Donc, calculette, calculette. Est-ce que tu es ouvert sur ma tablette? Calculatrice. Parfait. Donc, actuellement, j'ai 1287, auquel j'ajoute donc 180 plus 180, donc je l'ajoute deux fois, ça fait 1647. 1647, 1647, 1647, donc 1876, moi. 1647, c'est égal à 229. 229, donc ok, que je divise par 4. Là, il y a peut-être un coup à jouer. Il faut que je fasse 57,25. Donc, en gros, il faudrait que je fasse 58 points par combat pour réussir à gagner. Donc là, en haut, je vais utiliser mon luck. Clairement, contre ça. Faudra se méfier donc de la petite Amphis. Il faut vraiment que j'essaie de la shooter assez vite, ne pas trop attendre. Donc j'ai une équipe soldat de l'Empire. Il n'y a pas l'Ograï dans cette équipe, donc je pourrais l'utiliser ici, l'équipe soldat de l'Empire. Ici, le truc c'est que j'ai mon équipe Empire, du coup, Empire Sith, elle est amoindrie, il me manque un personnage dans l'équipe.
Empire par qui? Ah, c'est vrai que je peux rajouter le tank dans l'équipe. Mais j'aurai beaucoup moins de contrôle. Et j'ai la Mémère Ray. Mais Mémère Ray, je n'aime pas trop l'utiliser contre eux, étant donné qu'il y a. Il y a comment dire? Bon, il y a un boost en ténacité de 1. Et de 2, avec son lead, il y a une augmentation de l'esquive des coups critiques. Donc, c'est bien qu'il ait pas mis l'upgrade dans cette équipe. J'en reviens pas. Sans qu'il existe encore des joueurs qui mettent pas l'upgrade dans. Que j'ai comme équipe encore. J'ai mon Wampa. Ah ouais, à la limite, je pourrais mettre Wampa avec l'équipe site. Ça pourrait être fun. Pas mal le Jedi. On va commencer par ce combat avant toute autre chose. Donc, tac. 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 Qui c'est qu'on va prendre dans la bande? Qu'est-ce qui va se passer là? Je pense qu'il va falloir que je kill Dooku assez vite. Et kill Dooku, que je stun la mémère. Comment elle s'appelle? Que je stun. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Droïka? Histoire d'éviter de me prendre un compte de la mort. Parce que juste 4 personnages, ça peut passer. Donc ça me permettrait de gratter des points. Habituellement avec cette équipe, j'aime bien envoyer donc mon ami, comment s'appelle-t-il? J'aime bien envoyer l'ami Anne Trooper. Je pourrais presque rajouter Shakti. Est-ce qu'elle aura vraiment un intérêt là-dedans? Est-ce que ces bonus marchent? Oh, ça marche plutôt pas marcher avec les rebelles. Mais donc. Et ça. Ah, ça peut permettre d'apporter un petit peu de heal à l'équipe. Donc ça peut être pas mal. Et ça m'apportera un dispel en plus. Et du coup, pas de combat en escouade réduite. Allez, c'est parti, allons-y gaiement. Donc là, en premier, on va
Shooter, parfait. Il faut que j'aille shooter le Droïka, là. Faut pas qu'il joue le Droïka. Donc là, j'ai bien envie de dispel. On va mettre le malus de ténacité là-bas. On dispel. Prend le shoot. Là, n'est pas tombé, tant pis. Il va falloir attendre. On va dissiper. Donc là, il devrait tomber. Pac. Parfait. On temporise. 58 points. Donc c'est la moyenne que je dois réaliser. C'est le bon côté de la moyenne, c'est parfait. Commenter modé. La question c'est où est-ce que j'utilise les soldats de l'Empire? Où est-ce que j'utilise Empire et où est-ce que j'utilise Rey? J'ai bien envie d'envoyer donc Empire ici. Du coup, j'utiliserai là, j'utiliserai soldats de l'Empire, étant donné qu'il n'y a pas Log Rey. Et du coup, ça me ferait utiliser Rey et là-haut. Est-ce qu'il y a des up en ténacité? Toujours la même question. 51 tout de même. Donc, on va prendre les combats les uns après les autres. Là, mes amis soldats de l'Empire, là, c'est vraiment le combat où je dois faire 60 points. Donc, soldats de l'Empire. On va commencer par cibler. Mince, je me suis trompé. On va commencer par cibler une team, enfin un ennemi assez faible. Parfait. Là, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Et ça tombe, 60 points. Donc là, on a dit tac. Et il me manque un coco.
Il est passé où? Il est là. Et c'est parti. Donc, on empêche les capacités là-bas. Mince. Là, c'est le drame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ben, j'ai pas réussi à mettre l'incapacité aux améliorations sur lui. Donc, il faut que le choc passe. Le choc est passé. Donc, du coup, je vais pouvoir faire du kill. Voilà, c'est parfait. Tac, tac. On va bloquer les capacités. Ça ne passe pas. Du coup, on va prendre un deuxième hit. On va prendre un hit là-bas. Tac. L'idée, ça va être de bloquer les attaques de masse, histoire de ne pas me prendre. Enfin, si je me prends une attaque de masse, donc je diminuerai la protection de plusieurs personnages. Alors que là, pour l'instant, ils sont tous considérés comme full protection. Et c'est un choc parfait. Elle devrait être plus simple à tuer. Ouf, ça va faire 60 points, ça. J'espère. Parfait, parfait. 60 points. Donc, j'ai vérifié mon calcul de tout à l'heure. Donc, où on en est? 1645. Auquel j'ajoute les 180 du territoire. 1825. 1825. Donc, 1825, 1876, moins 1825. Il faut que je fasse 51 points seulement pour réussir à gagner. Donc ça devrait le faire. On va utiliser la mémère Ray. On va appeler les potes de la résistance. La résistance. Ça pour gagner de la protection et avoir des dispels. On va. Tiens, il me manque un pote de la résistance là. Qui c'est qui me manque? Je vais peut-être prendre ça pour avoir du DPS et pour avoir le contrôle. On prend ça. Qui c'est qui me manque du coup? BB8 en principe. J'ai un personnage en plus. Qui c'est qui me manque là? Gros doute. Il manque un de Beston. Ah, c'est 3PO. D'accord, oui, j'ai utilisé ces 3PO. Allez. Objectif, 51 points. Et c'est gagné. Donc là, je pourrais pas avoir de stun, je pourrais pas avoir de réduction de jauge de tour. Tu vas servir à rien, toi. Là, j'ai pas envie d'avoir de dispel de masse. Stun, ça passe. Nice. On va prendre l'aggro sur. Où on attaque? Et on va attaquer.
Donc, elle, il va falloir la tuer. On termine. On prend un stun, sinon il va mettre tous ses malus. On prend un stun. Du coup, maintenant, il va suffire de garder le contrôle. On va pouvoir se soigner petit à petit. Ah, je vais pas prendre un kill. On se soigne. Pour anticiper ça. Donc, un stun, le stun qui ne passe pas, on stun. Donc là, je vais essayer de temporiser un petit peu, histoire de refaire la capacité de... Oh mince, je pourrais pas temporiser. Bon, mais 57 points. Et donc, papa, c'est qui le patron? Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. Puis je termine dans les temps. Cool. Je peux aller jouer à mon arène. Bon, ben voilà. J'espère que ça pourra vous servir. C'était du gros match. Du gros match. Je suis vraiment, vraiment satisfait de l'avoir réussi. Il y avait du gros challenge en face, du gros adversaire. Je souhaite du Dimas pour sa défense plutôt héroïque. Et heureusement qu'il a fait un fail. Moi, je regrette vraiment d'avoir fait un fail aussi de mon côté. Mais au final, tout termine bien. Alléluia, une petite capture. Et qu'est-ce que ça donne du coup? 490, ouais, bah, j'ai pas pu maximiser mes points quoi, sur une attaque comme ça. Mais bon, je suis content. C'est gagné. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss les boys!